Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, coloriage, défi de mon groupe de coloriage. Donc c'est le défi que j'ai donné hier, donc dimanche, sur mon groupe. Moi je l'ai déjà fait, j'ai donné le dessin, le coloriage à faire dans l'après-midi, il était fait, il m'a beaucoup inspirée. C'était un, comme vous allez voir, c'est un genre de petit bonhomme fait avec des citrouilles. Halloween arrive, donc j'ai donné ça comme colo à faire avec un défi, vu le nom, un défi coloriage. Ne pas utiliser la couleur orange. Eh oui, pour Halloween, c'est oula. C'est rien, c'est Fifi. Ne pas utiliser la couleur orange dans son coloriage. Avec des citrouilles. Super. Bah oui, c'était, sinon ça aurait été trop facile. Donc, moi, vous allez voir ce que j'ai utilisé comme couleur. Dans la semaine et les jours qui viennent, je vais voir ce que les filles ont fait. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, une petite diapo. Pour vous montrer le résultat des filles, ce qu'elles auront fait. Voilà. J'ai mis un col roulé, j'ai pas l'habitude, ça m'énerve. Ce qu'elles ont choisi comme couleur pour ne pas mettre de orange. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que le orange et Halloween, ça va super bien ensemble. Donc, citrouille, orange, Halloween. Mais là, non, pas d'orange. Donc, j'espère que moi, mon colo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai utilisé pour une fois, enfin pour une fois, ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisés. J'ai ressorti ma trousse de Castle Art Supply. Bah oui, chaque fois, j'oublie de les utiliser, ceux-là. Donc, je les ai utilisés. Pas la boîte, hein, c'est la trousse, donc les derniers que j'avais achetés. Bon, c'est à peu près les mêmes, hein, à part qu'ils sont un petit peu plus gras. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente quand je vous les avais montrés lors de mon haul Amazon. Je crois que c'est à ce moment-là. J'essaierai de retrouver la vidéo et de pour vous la montrer. Donc j'avais utilisé ça. Alors le fond, je l'ai fait en deux fois. J'ai fait un premier fond autour du dessin. Oui, tu es là. J'ai fait un premier fond avec le crayon et encore autour. Là, j'ai continué mon fond avec mes pastels tendres de Faber-Castell. Voilà. Sinon rien de spécial dans ce dessin, j'ai bombé avec le fixateur puisqu'il y a de la pastel, donc j'ai bombé mon dessin au fixateur. Je vous mettrai en lien aussi le lien de la bombe pour quand vous utilisez de la pastel, ça évite que la pastel se retire, s'abîme, que les couleurs partent, et en même temps que vous en retrouviez de la pastel partout si vous rangez votre dessin quelque part. Sinon, rien de spécial. Voilà. Moi, j'ai bien aimé faire ce colo. M'a bien inspiré. Et puis voilà. Allez, je vous laisse regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et si vous avez des questions, idem, ça se passe en dessous de la vidéo, en commentaire. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.